sabbat. Le septième. Montrer de l'intérêt pour les affaires de son père. Kuonyesha umuhimu au faida kwa ajili ya mambo ya Mungu. Eti ilifaa kwamba Mungu akutukuze. Il faut que pour que Dieu puisse te glorifier. Inabidi na kama na baba angependa kupatia mtoto confiance yake. Il doit falloir que même si le père pouvait placer la confiance dans l'enfant. Akutane kama ule mtoto. Il doit rencontrer que cet enfant anashughulika sana na vitu vya kunyumba vyabo. Il se préoccupe trop des affaires de la maison. Ni mtoto mwenye. C'est un enfant donc. Anakuwa na attention sana kubya kwabo. Qui est attentionné beaucoup plus sur les affaires de la maison. Ya kwabo. Les choses de chez lui. Vitu vya kunyumba. Les choses de la maison. Mali ya baba. Dans les choses de papa. Utajiri ya baba. Toute la richesse de papa. Inamuintéresser sana maana inamshughulisha moyoni. Ça le fait préoccuper dans le cœur. Oui oui. Mungu, Dieu, anakuona, il te regarde yake, dans ses affaires et tu le places dans, en première position. Baba, le père, anaona, il trouve unakuaka sana na attention kubya kwenu, que tu as beaucoup plus l'attention sur les affaires de la maison. Unangalia kama balifunga mulango, et tu observes si on a fermé la porte. Unangalia kama hakuna bitu bakia nje. Et tu regardes s'il n'y a pas de choses qui sont restées dehors. Unangalia kama makuku zote zilikuya, et tu regardes, tu dois t'assurer si toutes les poules sont entrées. Unangalia kama badogo yako banalala mzuri. Amen, tu dois observer si tes petits frères sont bien dormis. Unangalia kama bya kwenu. Et tu vas observer si toutes les affaires sont bien. Hapana mtu mwenye iko mubitu na haiko mwario. Pas quelqu'un qui est dans les affaires sans y être. Hallelujah. Amen. Amen. Mungu anakuangalia. Dieu t'observe. Anaangalia tabia zenye ukwamo. Il observe ton comportement. Il regarde ton comportement. Maana Yesu alisema. C'est pourquoi Jésus avait dit. Si sene chochote c'est pourquoi yenye baba ananiambia ni. Je ne dis rien si ce n'est que ce que le père me dit de dire. Jean 8:38. Yohane 8:38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Nasema niliona kwa baba. Et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Nanyi mnafanya kwa yale mlisikia toka baba. Yesu akambia batu. Jésus avait dit aux gens. Vienye mini kuna fanya. Ce que moi je suis en train de faire. Tosha kwa papa. Je tire cela de mon père. Mko mnafanya. Et vous ce que vous êtes en train de faire. Tosha kwa baba yenu. Vous les avez tirés de vos pères. Est-ce que leo mwenye anaweza kuona tabia zako. Est-ce que aujourd'hui celui qui peut voir tes attitudes. Ni vienye bilitoka kwa Mungu. Est-ce que c'est vraiment ce qui vient de Dieu. Masemi. Tes paroles. Mwenendo. Ton attitude. Tabia. Ton comportement. Bilitoka kwa nani. Ça vient d'où. Amen, amen. 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 Verset kufuata. Jésus leur répondit. Yesu akawajibu. Je vous l'ai dit. Ninawaambia. Vous ne croyez pas. Na hamuamini. Les œuvres que je fais au nom de mon père rendent témoignage de moi. Matendo ninayofanya kwa jina la baba ndio yanayonishuhudia. Lakini vous ne croyez pas. Hamuamini. Parce que vous n'êtes pas mes brebis. Sababu hamuko kondoo zangu. Jean 10:25. Yohane 10:15. Matendo yangu. Mes œuvres. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça vient du Père? Et si vous n'êtes pas en train de m'écouter, vous n'êtes pas venu du Père. Vous n'êtes pas des brebis. Ça veut dire que le brebis qui a été enfanté par le Père, il se joint à la parole du Père. Amen. 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 Amina. Angalia ujumbe. Voyons le message. Wakati Yesu anafika muhekalu. Quand Jésus arriva dans le temple. Akaona banisha igeuza mufasi ya kuhuzisha. Et il a vu qu'ils ont transformé cela en marché. Ya vitu ya baba yake. Alléluia. Saisi par la jalousie des affaires du père. Akachonga fimbo. Et il a pris les bâtons. Chapa bato. Commencé à frapper les gens. Il a frappé. Mwambia nyumba ya baba. Il leur avait dit la maison du père. Ne sera pas un marché. Kwamba Yesu muda wote alikuwa kudunia. Ça veut dire que Jésus tout le temps qu'il a été sur terre. Mambo ya baba. Les affaires du père. Lui ont préoccupé. Et la personne qui sera glorifiée par Dieu, tu es dans l'église, mais les affaires de Dieu t'intéressent tellement. Amen, amen. Je vais expliquer. Que le culte finisse. Que 5 personnes balayent, nettoient la chambre. Est-ce que les 5 seulement qui ont nettoyé, ça veut dire que cette salle leur appartient? Dans cette église, il y a les mamans qui ont déjà eu un programme. Ceux qui vont torchonner l'église lundi, les mardis, celle du mercredi, celle du jeudi, celle du vendredi, pour que leur église soit propre. Toi, tu es dans quel groupe? Et tu vas dire que les affaires du père t'intéressent. Kuna watu wanakuwa kama vitu vya Mungu. Il y a les gens qui sont dans les affaires de Dieu. Sans y être.
Dieu aime voir comment est-ce que ses affaires t'intéressent. Tu as le mariage? Ah, tu laisses là pour les autres. Tu ne te soucies même pas. Il y a un deuil de l'église. Tu pars dans tes affaires. Et puis tu poses la question. Est-ce que déjà enterré ses frères? Dans l'église dans laquelle tu communies. Ton frère est mort. Tu pars dans tes affaires. Même pour envoyer 500 francs, comme je ne serai pas là, vous pouvez aider ceux qui vont acheter les carburants. Les affaires de Dieu. Toi, c'est venir. Tu manges la prédication. Et tu mets tes mains en poche. Et tu reviens encore le jeudi. Les communiqués. Tous les problèmes. Les bienfaits. Les troubles. Les serviteurs. Et ceux qui ont le courage le feront. Ouais, toi tu es le fils de qui? Est-ce que vraiment c'est père? Alléluia. Amen, amen. Et baba ngeliona vile ule mtoto iko interesé na mambo yake. Le père devrait voir comment l'enfant est intéressé de ses affaires. Kisha baba one. Et puis que le père voit. Mtoto mwenye iko anachunguza kila kitu. L'enfant qui est en train d'observer chaque chose. Anaweza saidia mama yake. Il peut aider sa maman. Mtoto mwenye hakuna chenye kitu kinamwechappe. L'enfant dont il n'y a rien qui l'échappe. Vraiment. Kweli. Kama siko. Si je ne suis pas là, ni kwe mzehe, ou que je sois vous, ya kwenda inje, tu ne peux plus avoir la force d'aller dehors. Benzake. Cet enfant sera utile pour les autres. Nini hapa. Maintenant, en quoi tu nous es utile ici? Maombi yako? Ta prière? Tu ne pries pas. Jeune zako? Ce sont tes jeunes. Unakulaka juma yote. Tu manges toute la semaine. Mubilio unakuyaka? Est-ce que tu viens dans l'aider? Unaenda mubiyako. Tu pars dans tes affaires. Muma mariage. Dans les mariages. Unakotizaka? Est-ce que tu cotises? Yo. Mais si kuni mariage ya wakwa kunjuta tusumbua. Mais le jour ça sera le mariage de tes siens. Zabengine? Pour les autres? Kimia. Si kuni bakwako? Le jour que ça sera de ta famille. Tembeza ma invitation na ma faire part. Tu vas faire circuler les faire part et les invitations. Aha. Wakati unaona iki Samuel Bethel iki. Quand vous voyez ça, kilitoka wapi? Ça vient d'où? Vous avez entendu un jour qu'on a passé les, on a fait passer les communiqués, amener l'argent pour acheter les baffes. Est-ce que ça a parachuté? Ça ne te donne pas la voix qui va t'amener au ciel. Amen, amen. Oui. Ça vient d'où? Ça. Ça vient d'où? Est-ce que vous avez entendu un jour nous avons demandé la cotisation? Ça c'est venu d'où? Tout ce qu'on a changé ici. Parce que les frères qui sont loin disent que quand on projette, il y a, l'image n'est pas bonne. Vous pensez que c'est la richesse qui nous fait changer de choses? Là, dans votre église, même si tu nous as visités aujourd'hui, en quoi tu es utile dans votre église? Dans les affaires de ton père. Vraiment. Bon, tu n'as pas l'argent. Où sont les prières? Nous ne te demandons pas l'argent. Où sont tes prières? Où sont tes jeûnes? Bon, ok, je n'ai pas l'argent. Tu visites combien de gens? Les mamans d'El Bethel sont en groupe. Et je les poste dans, sur mes statuts. Aujourd'hui, sont chez elles. Celles de Majengo sont chez elles. Celles de Mugunga sont chez elles. Mais ta femme, elle est dans quel groupe? Ta femme part avec qui? Faut laisser de nous tromper. Quand il avait vu l'enfant, il se préoccupe de ses affaires. Amen, amen. Et le papa voit que c'est chrétien. Mes problèmes, moi, Dieu, ça l'attire. Et il n'y a rien de chez moi qui ne l'attire pas. Amen. Et c'est donc il ne peut pas. Il me dit, papa, c'est toi qui dois le faire parce que moi, je n'ai pas encore atteint la maturité pour le faire. Amen, amen. Tu ne peux pas faire porter un enfant de 5 ans un bidon de 10 litres. Mais tu peux l'envoyer l'allumette. Oui, oui. Amen. Amen, amen. Et
pona zile mtoto anashughulika na mambo ya baba yake. Et quand il a vu que l'enfant est en train de se préoccuper des affaires du père. Akaona. Et il a vu. Sikia. Écoute. Ta parole. Neno lako. Prêchez le 28 9 56. Ilihubiriwa tarehe 28 Septemba 51. Puis après. Kisha baadaye. Paragraph 4. Il atteignait un certain âge. Alifikia umri fulani. Il méritait beaucoup la confiance du père. Angelistahili kutumainiwa na baba. Pour le travail. Kwa kazi. Et tout. Na mengine. S'il était un très bon garçon. Angelikutiwa ni kijana mzuri. Il avait le droit d'hériter. Angekuwa na haki ya kurithi. Oh. Le père ne savait pas à sa naissance ce qu'il deviendrait. Baba alipomzaa hakujua nini mtoto angekuwa. Il pouvait devenir un gangster. Angelikuwa. Angekuwa kibamba, kibangi. Kibamba. Il pouvait devenir un fainéant aux affaires du père. Angelikuwa kama vivu kupindukia katika mambo ya baba. Il ne pouvait pas confier son royaume et ses affaires, son travail à ce garçon-là. Angeliweza mukabizi ufalme au mambo yake kwa mtoto yule. Mais, lakini, quand le garçon s'avérait un bon garçon, wakati kijana angetoka kama kijana mzuri, et le tuteur, na mwalimu, lequel dans notre cas est le Saint-Esprit, ambaye kwa yenye kutuhusu mwalimu wetu ni Roho Mtakatifu, qui fait rapport au père. Anaye toa ripoti kwa baba. Et lui fait rapport sur ce que nous faisons. Na kupatia Mungu ripoti kwa yenye tunayofanya. Si donc nous sommes trouvés fidèles jusque là. Ni kama sasa tumekutaniwa waaminifu hadi hapo. Comme l'enfant l'était. Sa vile mtoto angekuwa. Alors. Sasa. On l'a mené à un lieu public. Toto yule aliletwa pahali pa watu wote. Après l'avoir revêtu d'une robe en pourpre. Akiwa amevikwa vazi la damani. Et là s'exécutait la loi de l'adoption. Ni hapo kulifanyika sasa sheria ya kukabidhiwa mamlaka. Nani amesikia pa? Qui a compris ici? Seme Roho Mtakatifu ndio mwenye anapanaka rapport ya maisha ya kila mwanadamu. Dio, c'est le Saint-Esprit qui donne rapport pour la vie de tout un chacun. Kama gasonge gangster. Si le garçon pouvait être un gangster. Ma tatouage huko. Il a des tatouages de ce côté. Ma tatouage cool. Des tatouages ici. Ma penke ngambo. Il a des pinks de l'autre côté. Ma pantalon za kuselelemba sa vile ngizi balisha tia momawe. Des pantalons qui descendent comme si on y a mis des pierres. Na ma bijoux. Avec des bijoux. Hakuna kitu. Hakuna kabisa. Amen. Baba angelikuwa naona sema. Les pères pouvaient voir. Foutu. Il n'y a rien à espérer. Amen. Il dit, j'ai juste perdu. En tout cas. Vous allez musika. Que tu enfantes une fille. Avec un nombril dehors. Yo. Avec le sous-vêtement ma dehors. Jipe. Avec des mini-jupes. Yo. Yo. Dehors. Ma kiki, ma kiki. Avec les sourcils. Magaribi, ma garçon. Et le soir avec les garçons. Ma garçon. Le, Magaribi, ma garçon. Le soir les garçons. Tu commenceras à dire ah, si cette année finissait sans une grossesse ici, ça sera Amen. Seulement la grâce de Dieu. Oui, oui. Tu commences à envier d'autres enfants. Tu commences à dire oh, mais vous les autres, ils ont eu des bonnes filles. Si tu dis que j'ai trouvé un fiancé, donc d'abord t'asseoir et réfléchir deux fois. Tu lui demandes un fiancé. Fiancé? Ni mchumba kweli? Sema ndio mama. Il te dit oui maman. Fiancé. Nauliza ulipata mchumba? Ndio mama. Oui maman. Wa wapi? Il est où? Juu ya nini? Pourquoi? Comportement. Hallelujah! Amen. Amen. Amina, amina. Sikia kengine kamoya. Écoute encore une autre chose. Ujumbe iko na vitu. Le message contient des choses. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ujumbe unaitwa kwa nini Roho Mtakatifu alitolewa? Paragraph 47. Mtajo wa 47. Et puis. Kisha. Quand ce garçon atteignait un certain âge. Wakati mtoto yule alifikia umri fulani. Disons qu'il était devenu père. Ambaye hakushughulika na mambo ya babaye. Que tout ce à quoi il pensait c'était flirter et sortir avec des femmes ou à boire ou le jeu d'argent ou le courses à chevaux, ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Ambaye, chenye ule kijana angaliwaza ni kuzerera zerera na kutoka na banamuke, na kwenda kunywa pombe, na kufanya michezo ya pesa, na waya waya. Kijana yule amebakia tu mtoto mdogo. Na hakuna siku angeliwekwa na nafasi
kama mriti. Ne. Katika yote baba yake alifanya. Lakini angekuwa mtoto mzuri. Et qu'il s'occupe des affaires de son père. Aliyekuwa akishughulika na mambo ya babaye. Et qu'il prouve qu'il était un enfant digne. Na aonyesha kwamba alistahili. Alors on organise une cérémonie. Halafu sherehe ilifanyika kwa ajili yake. Mungu nisaidie. Dieu aide-moi. Nisikuwe mwenye kuwa seme niliamini. Que je ne sois pas dans ce que j'ai cru. Nikutana amo. Et puis les choses dans lesquelles on va me retrouver. Na ba frère, na ba toto ya Mungu. Ce sont les choses qui vont seulement achoper les enfants de Dieu. Qui a volé moi? Qui s'est battu moi? Qui est parti dans les femmes moi? Qui a bu la boisson moi? Qui a troublé la femme moi? Tabaki a tout membre de l'église. Vous resterez juste membre de l'église. Tabaki a tout mwanamemba wa kanisa. Mwanamemba. Ndiyo ndiyo. Mwenda kanisani peke yake. Civil pamba. Raia bure bure. Hawezi kupatia bunduki. Jamais. Peut pas te donner une arme. Je vais qui kutuma kufra utaiuzisha. Parce que si on t'envoie au front, tu vas vendre cette arme. Oui. Civil pamba yo. Raia bure bure. Nababa na kwa na kuona. Et quand le père va te voir, si vous tapa oui. Akuna. Je ne peux pas vanter celui-ci. Non non. Akaba tapa, akaba tukuza. Ndio. Il les a glorifiés. Mungu anakuwa anauliza ba malaika. Dieu commence à demander aux anges. Mais mulifika Goma. Vous êtes arrivé à Goma. Muliona fulani. Vous avez vu tel. Vous êtes tulimkutana kunganda. Yo. On l'a rencontré. Alibifanya tu. Il l'a fait seulement. C'est mais bon. Mais anazoya tu pale. Mais il est seulement habitué là-bas. Mm-hmm. Alors vous le mwanamke. Et cette femme Alima bwanake chakula deux jours. Elle a privé son mari le repas deux jours. C'est mais na ule mama mwingine? Et cette autre maman? C'est mais alimwangia bwanake makondi. Elle a versé de l'eau de haricots sur son mari. C'est mais ule fille naye? Et cette fille là aussi? Ibu sikwa kulala kwa. Cette nuit elle n'a pas dormi chez elle. Mungu anatikisa kichwa. Dieu secoue la tête. C'est mais tunatapaka watu. Et dit, nous vantons les gens. Maraba imbegu hizi. Mais c'est semence ici. Si wewe kama pasteur Patrick ataziweza hizi. Je ne sais pas si pasteur Patrick va s'en sortir. Vraiment. Kama ni mtumishi sasa pasteur Patrick awe naishindikana. Si c'est un serviteur que le pasteur Patrick aussi c'est un délinquant. Hii huduma. C'est ministère vraiment. Si wewe kama tabafikisha kai. Je ne sais pas s'il fera arriver ces gens. Il faut que je sème. Il faut que moi aussi je me cite. Musisema lileta mifano ya wengine akajiacha. Pour ne pas dire que c'est moi il a apporté les exemples des autres et il s'est laissé. Si il est délinquant, habata ni glorifié. Moi je ne serai pas glorifié. Jamais. Amen. Amina. Muko hapa? Vous y êtes? Muko hapa? Meni neno? Mais c'est la parole. Le message. C'est le message. Dans ma verset. Et ce sont les versets bibliques. Parce que, il faut qu'il ait une personne qui va. Le pasteur a créé des choses et il a intimidé les gens avec ces choses. C'est l'adoption. Ni kukabizi. Alléluia. Amen. Amen. Amina. Maintenant. Sasa. Lorsque le père apprenait que le garçon n'était pas digne. Wakati baba alijua kwamba mtoto hastahili. Il ne le désavouait pas. Hangaliweza kumchukia. Uh-huh. Il restait toujours son garçon. Alibakia tu kwa mtoto wake. Mais. Lakini. Il n'avait plus confiance à lui. Hangaliweza mtumainia. Il était trop emporté à toutes sortes de vents de doctrine. Angeli vutwa tu na kitu kinachohusika na mafundisho. C'est ce que dit l'écriture. Ni yale, ne soyez pas emportés à tout va de doctrine. Usipelekwe na kila upepo wa mafundisho. Soyez stable. Tulieni. Abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Abondez toujours dans l'œuvre du Seigneur. Musonge mbele katika mambo ya Mungu. Car autant que vous le sachiez, wakati yote mmeajua, votre travail n'est pas vain. Kazi yenu katika Bwana si bure. Votre position en Christ. Eti nafasi yetu katika Kristo. Paragraph 45. Mtajo 45. Batemwe bana kuikalia. Le témoin de Jéhovah vient sur toi. Tutariti mbingu. Il commence à te dire nous allons hériter le ciel. Tutariti dunia plutôt. Nous allons hériter la terre. Tutariti dunia. Eh, nous allons hériter la terre. Kesho nakutana na babrana misigoti. Demain tu te rencontres avec le Branham. Tu dois être baptisé au nom de Branham. Una bimeza. Tu avales. Una kuambia batumishi. Tu viens dire mushina Branham. Le baptême c'est au nom de Branham. Mais changer yengine position. Tu as déjà changé votre position. Demain tu viens. Bafu balisha fufuka. On te dit les morts sont déjà ressuscités. Na balisha enda. Et ils sont déjà partis. Una geuka. Bafu balisha enda. Les morts sont déjà partis. Hawezi kuwa placé. Tu ne peux pas être placé. Mwenye anakuwa ka placé. Celui qui doit être placé. Mwenye akishajua doctrine ya kweli. C'est la personne qui a déjà bien compris la doctrine.
Amen. Et il se dit, nanakuwa stable. Et il reste stable. Anatulia. Bana mtu wa kuwa yawaya. Pas la personne qui est importante. On amène ça tu avant. On amène ça tu avant. Na mahubiri zote bana kuformate. Et toutes les prédications ont format dans ta tête. Banaweza kuambia kama tulisha nyakuliwa unaitika leo. Et toi on peut te dire que nous sommes déjà enlevés et tu acceptes aujourd'hui. Tulinyakuliwa na tuko tunazika watu. Vous étiez enlevés pendant que nous sommes entrés d'enterrer les gens. Serum kwa hôpital. Et les sérums à l'hôpital. Mbinguni kuko ma serum. Est-ce qu'au ciel il y a des sérums? Non. Alléluia. Amen. Voilà. N'y allez. Ici, il était emporté par toutes sortes de débats de doctrine finis. Nakama likuwa na pele kwa kana kila upepo wa mafundisho ilimuishia. Ni mtu akishaelewa kitu. C'est quelqu'un donc s'il a déjà compris quelque chose, il a compris. Alikielewa. Il a bien compris. Alikibana. Il a saisi. Na ni cha kweli. Et c'est la véritable chose. Fini. Kwisha. Musomeye tu. Lis seulement pour lui. Mupe maandiko. Donne-lui les écritures. Fini. Kwisha. Même si tu as mkata kichwa. Même si tu vas le faire couper la tête. Kwambia. Il va te dire. C'est comme si tu pourrais me dire que je ne suis pas le fils de mon père. Maintenant, je vais te poser la question, qui est mon père? Mais qui parvenir qu'on y formate pas ça, on y éleveche ses mémis, si quoi que mon toto ababangu. Mais si tu arrives à me formater jusqu'à me faire comprendre que je ne suis pas le fils de mon père. Papa qui a puisqué ses mémis, balisha ni litkisha kama si quoi que wake. Et que papa apprenne que on m'a déjà fait comprendre que je ne suis pas le sien. Ah bon? Confiance en elle. La confiance doit disparaître. Oui, oui, sans doute. Amen. Amen, amen. L'adoption. Kufanya mwana mwenye mamlaka. Msiwaze sema Mungu anaramasa katu mtu mubarabara. Ne pensez pas que c'est moi Dieu ramasse les gens dans la rue. Tia comme kona sema wangu huyu. Et il place le mwana mwenye mamlaka. Ça m'appartient. Non. Choka. Tu dois te fatiguer. Et si vous ne rentrez pas en recherche pour vivre cela, vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé. Non, non. Amen. Oh, Paul alisema. Oh, Paul a dit. Kwa sababu ya estomac yako. À cause de ton estomac. Ukwe unakunya pombe kidogo. Tu peux boire un peu d'alcool. Mungu anabalestia ile verse. Quelqu'un voulait se verser. Hamone kama tunaweza kwa tunakunya kidogo. Est-ce que vous ne voyez pas que on peut boire un peu? Kisha mnamuliza. Et puis vous lui demandez. Na uko na estomac. Toi aussi tu as de l'estomac? Mbona na dawa ya estomac ilishapatikana sasa. Mais on a déjà même le dawa de l'estomac. Hamsikia ke ma verse. Ah, vous ne comprenez pas le verset. Kumbe ni mulevi. Pourtant c'est un ivrogne. Bata ku placer siku gani? On va te placer quel jour? Never. Amen. Amina. Paul anasema Paul dit wanawake wajipambe que les femmes puissent parir si kwa kusuka nywele pas en se tressant. Wewe unakutana na mtu toi tu rencontres quelqu'un anakuelewesha kama kusuka nywele ni maridadi. Il te fait comprendre que tresser c'est bon na unameza et tu avales na unakuwa nasuka nywele tu commences à tresser balisema kusuka nywele ni maridadi. On a dit que tresser c'est bon. Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est lui qui a dit que c'est bon? Il a dit que la beauté aussi c'est pour le diable. Amen, amen. Tout est vent de doctrine. Mwenye kupelekwa na kila upepo wa mafundisho. Hata tiwa nafasi. Amen.